Après leur triomphe en novembre dernier à Nice, au Palais Nikaya, les rappeurs du groupe Section d'Assaut sont de retour dimanche à la Palestre au Canet. Phénomène musical de l'année 2012, auréolé par l'énorme succès de son dernier album L'Apogée, vendu à plus de 500 000 exemplaires, et par l'obtention à Cannes de deux Energy Music Awards, dont celui de la chanson de l'année pour Avant qu'elle ne parte, Section d'Assaut vient de repartir pour une nouvelle tournée, après s'être produit dans deux Bercy et 30 Zénith complets dans toute la France. En moins de 3 ans, la bande de copains venus de la banlieue parisienne a écrasé la concurrence et fait vibrer leurs fans dans toutes les salles dans lesquelles ils se produisent, des MJC de quartier à Bercy, en passant par les Zéniths. Un succès auprès d'un public très large qui aime leur message positif et festif, mais qui n'empêche pas le groupe de conserver toute sa crédibilité auprès du noyau dur du rap. La recette de leur succès tient d'une part dans la longue et solide amitié qui relie les 8 rappeurs qui se fréquentent depuis plus de 15 ans, mais aussi dans le soin qu'ils apportent à l'écriture de leurs textes et de leur musique. Un travail qui paye et transforme la plupart de leurs chansons en tubes, comme pour « Avant qu'elles ne partent », un titre dédié à toutes les mamans. Une chanson qui reflète bien l'état d'esprit du groupe, qui malgré son nom est plutôt peace, et n'hésite pas à aborder des thèmes humanistes, plutôt que de se focaliser uniquement sur la vie de la rue dans les cités. Section d'Assaut n'est pas dans la revendication, mais cherche plutôt à propager des valeurs simples comme l'amitié, le respect et la fidélité. Mais attention, leur musique reste offensive et un ouragan risque bien de déferler dimanche à la Palestre. Section d'Assaut, la Palestre au Canet, dimanche 12 mai à 19h.